peut pas imaginer un culte musulman qui n'est pas structuré dans une société telle que la nôtre, dans un pays tel que la France. Ce sujet-là nous a un peu préoccupés depuis plusieurs années, à un tel point que nous avons organisé un congrès au Bourget, en 1993 exactement, sous le titre de « Qui représente les musulmans ?». Et à l'époque, il y avait justement il y avait des tentatives, des expériences qui ont été menées. Il y avait l'ancien projet de l'Église musulmane dans les années 80, 86 exactement, puis le CORIF, le Conseil de réflexion sur l'islam en France, puis la charte du culte musulman, et par la suite, nous avons le CFCM, donc la consultation, la fameuse consultation, l'istishara, qui nous a donné le CFCM par la suite en 2003. Toutes ces expériences-là, ce sont des expériences toujours menées et initiées par l'intérieur. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans un pays où le culte musulman il est géré par le Palais Beauvau, par le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays européens où le dossier musulman fait partie plutôt soit de la justice, soit de la culture. Nous avons des expériences dans les pays de l'Europe, de l'Europe du Nord où le dossier musulman fait partie de la culture. Mais soit ce qui est là, il est là, et que le dossier musulman, les cultes en général sont gérés par l'intérieur. Donc des initiatives ont été à chaque fois présentées par l'intérieur, bien sûr toujours dans l'intérêt du culte musulman et de la communauté. Donc essayer d'initier un projet, d'accompagner un processus. Le dernier en date, c'est celui du CFCM. Nous sommes en tant que UIF, nous faisons partie intégrante de la consultation à chaque fois qu'il y a un projet, nous répondons présent. Nous avons répondu à l'époque du CORIF, on était en 89, on était présent, puis la charte du culte musulman en 94, nous avons répondu, et puis avec la consultation de Jean-Pierre Chevènement, on a répondu aussi présent. Et en fin de compte, on a créé le CFCM avec Sarkozy à l'époque, ministre de l'Intérieur, on a accepté le cadre. Nous considérons, nous continuons à considérer que le CFCM est un cadre, bon ou mauvais, la question n'est pas là. Mais c'est un cadre qui permet aux musulmans déjà d'être représentés et qui permet au culte musulman d'être structuré dans notre pays. Ce cadre-là, on va le remplir. Donc, il a été rempli par un certain nombre de fédérations, de grandes mosquées, de personnalités à l'époque. Et on a commencé le travail en 2003. Aujourd'hui, avec un peu de recul, nous pensons que le CFCM doit évoluer, doit être réformé. Et nous avons, il y a 2 ans de ça, nous avons essayé de mettre à l'ordre du jour la réforme du CFCM parce qu'il ne répondait pas à 100% aux aspirations de la communauté musulmane. Les musulmans commençaient à nous interpeller et à nous demander des comptes. Qu'en est-il de cette structure que vous avez mis en place? Est-ce qu'il est à la hauteur des aspirations des musulmans? Est-ce qu'elle répond, aux demandes des musulmans? Est-ce qu'elle défend les intérêts de l'islam et des musulmans? On a vu la loi 2004 sur l'interdiction du foulard, on a vu l'islamophobie, on avait les agressions qui se multipliaient, dont les musulmans sont l'objet, des mosquées taguées, etc. Tout ça nous a un peu interpellés. Et nous avons essayé de mettre à l'ordre du jour du CFCM via ses instances, notamment le bureau. On faisait partie intégrante du bureau. On avait des CRCM, des présidents de CRCM, notamment dans le Nord, j'étais le président de CRCM du Nord-Pas-de-Calais. On a essayé donc de mettre à l'ordre du jour la réforme du CFCM. Malheureusement, aucune voix, aucune oreille nous a été prêtée et on n'a pas voulu de la réforme. Puis on a répondu intelligemment, sans polémiquer, on a mis en suspens notre participation. Donc la dernière en date, en 2011, nous avons préféré ne pas participer au processus. D'ailleurs la mosquée de Paris l'a faite avant nous, hein, pour des raisons qui sont les siennes. Et nous avons donc suspendu notre participation. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui se fait au niveau de l'intérieur pour réfléchir à la réforme des CFCM, un autre CFCM, un CFCM bis. Et on le sommes sollicités encore une fois, nous sommes invités, mais nous avons préféré ne pas répondre à l'invitation parce qu'aujourd'hui, on ne vous cache pas qu'au sein de l'UIF, au sein des instances de l'UIF, régionales, nationales et locales, nous sommes en train de mûrir une réflexion profonde sur le devenir de la représentation du culte musulman dans notre pays.